Donc en fait, le premier sens, c'est la domination masculine n'existe pas comme on pense qu'elle existe, dans le sens où ce n'est pas une domination verticale de type colonisateur-colonisé ou possédant-prolétaire. Ce n'est pas les hommes qui sont arrivés sur leur bateau, sur le continent des femmes en disant « maintenant on vous oppresse ». Donc ce n'est pas comme ça s'est passé. Et le deuxième sens qu'on peut donner à ce titre, c'est la domination masculine n'existe pas. D'un point de vue darwinien, vu que d'un point de vue darwinien, nous sommes le produit de nos gènes et ce qui importe à nos gènes, c'est de se reproduire, de se dupliquer. Et il y a quelques années, il y a des études de génétique des populations qui ont été faites et qui ont montré qu'en gros, au cours de l'histoire, les gènes des femmes se sont reproduits deux fois plus que ceux des hommes. Et ça s'explique par en fait, assez bêtement, reproductivement, le fait que les femmes n'aient qu'un ovule par mois et qu'elles doivent en passer par la grossesse et l'allaitement, etc. En fait, ça homogénéise leur reproduction. Alors qu'à l'inverse, les hommes qui sont très... qui ont plusieurs spermatozoïdes par jour et qui peuvent se reproduire, qui ont surtout une fenêtre reproductive beaucoup plus large que les femmes, font qu'ils sont plus incités au gâchis. Et en fait, ce qui s'est passé dans notre évolution, c'est qu'une proportion relativement minime d'hommes s'est beaucoup reproduit et une très grosse partie des hommes sont morts sans s'être reproduit. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a trouvé dans ces études, ce qui fait que matériellement, les femmes se sont deux fois plus reproduites que les hommes. En fait, c'est ce que j'appelle l'éoféminisme. C'est en fait un féminisme qui se fonde sur les théories d'évolution. Et c'est aussi un féminisme en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé sur ses principes. Enfin, il a des principes, mais s'il est fait et la science vient à montrer que on s'est trompé, c'est ça qu'il va falloir adapter le féminisme par rapport à ça, et pas l'inverse, pas avoir une logique idéologique justement, et à se dire on va changer le monde, mais les faits sont plus importants que l'idéologie. J'ai l'impression qu'à peu près entre 10 et 15% de mon livre, c'est une bibliographie. Dans le sens où c'est ce que je fais dans mon travail en général, c'est je suis très très proche des études qu'ils font et des chercheurs. Je travaille avec eux, je parle avec eux. J'ai un rapport direct avec les scientifiques et avec les études. Et en gros, c'est... Principalement, c'est des sources qui viennent d'un... C'est pas une discipline, c'est plus un paradigme scientifique qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, ou l'évopsy, qui a environ 30 ans, qui est né au début des années 80, et qui, en fait, c'est une application du darwinisme au comportement humain, quoi. C'est un ensemble de disciplines qui montrent qu'il n'y a pas que les organismes, genre les organes, il n'y a pas que la physiologie qui a évolué par rapport à l'environnement. Il y a aussi nos comportements et nos psychologies, et nos tout ce qu'on appelle la psychologie, quoi, nos inclinations, nos goûts, nos réflexes, etc. C'est un peu la suite et la suite densifiée de Ex Utero, que j'avais publié en 2008 ou 2009 à la Musardine. Qui pour le coup se focalisait plus sur les femmes, le côté genre ce que le féminisme classique oublie ou fait semblant d'oublier, c'est que les femmes ne viennent pas de nulle part et sont aussi des physiologies et des psychologies qui se sont adaptées au cours de l'évolution pour certaines raisons. Au départ, j'avais proposé comme titre les déchets. Et c'était les déchets, c'était à la fois les déchets évolutifs. Quels sont les restes de l'évolution qu'on subit, parce que nos environnements ont beaucoup changé. En 300 ans, on a radicalement changé d'environnement et d'écosystèmes et de modes de vie par rapport à 98% de notre évolution. Et deuxièmement, c'était les déchets, c'était vraiment les hommes qui... aujourd'hui ont des comportements qui, d'un point de vue évolutif, étaient très positifs, très adaptés. C'est les hommes violents, les hommes, en gros, les hommes violents.
Aujourd'hui, en fait, c'est les déchets de la société, dans le sens où c'est les perdants, quoi. Alors que pendant très longtemps, ça a été les gagnants, et aujourd'hui, parce que justement, nos modes de vie ont évolué et on est vraiment radicalement sortis des environnements de survie que l'humanité a connus pendant la grande majorité de son évolution. Et donc aujourd'hui, ils sont plus du tout. Voilà, ils sont en prison, ils meurent jeunes, ils sont drogués, ils se suicident, ils sont alcooliques. Donc ils sont plus adaptés, ils sont plus adaptés à l'écosystème et à l'environnement actuel, quoi. Alors qu'à l'inverse, les femmes, parce que l'évolution les a pas incitées, mais parce que j'aime pas trop ce mot, parce que ça sous-entend une volonté de l'évolution alors que c'est complètement hasardeux. En gros, ils ont poussé à être plus malléables et plus adaptables et plus. En gros, oui, voilà. Plus adaptables. Donc aujourd'hui, comme on sort de ces environnements de survie avec la médecine, la science, etc., les femmes peuvent. Bien, faut quand même se rendre compte que ça fait quand même très longtemps que au contraire, ça fait quand même très peu de temps que les femmes peuvent vivre. Très longtemps après leur ménopause. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, quasiment les femmes vivent la moitié de leur vie où elles ne sont pas fertiles. Et ça, c'est complètement neuf pour l'évolution. Et donc, ce qui fait que plein de choses font qu'aujourd'hui, les femmes s'en sortent relativement mieux que les hommes.